Salut à tous, c'est Tito de 7-3. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5, PS4. C'est ma première vidéo sur PS4 et sur GTA 5. Donc, comme vous avez vu, je suis avec Trevor. Et aujourd'hui, on va faire le code de triche. Donc, je vous les mettrai dans la description. On va commencer tout de suite avec comment baisser son indice de recherche. Donc alors je vais faire le code. Voilà. Donc c'est très simple à retenir, très simple à faire. Donc ça peut aider quand on est en galère. Donc voilà. Ensuite on va faire un autre code, le code pour les armes. Alors moi j'ai déjà fait, du coup j'ai déjà les armes. Mais bon, je vais le refaire quand même pour vous. Voilà. Alors comme arme, il y a un pistolet. Un pistolet mitrailleur, une mitraillette, une carabine, un fusil d'assaut, un fusil de précision, un couteau, un fusil à pompe, un lance-roquette, un lance-grenade, mais bon, ça j'ai eu à part, une dégrenade, des bidons d'essence. Donc il y a aussi plein d'armes que j'ai eu à part en faisant l'émission, du coup. Et ce sont pas toutes, mais bon, il y en a la plupart. Donc on va faire le code de la moto pour se barrer. Non, tiens, de l'avion. Vu qu'on a déjà fait le code pour parachute, faire le code pour l'avion. Donc c'est. Voilà, donc pour l'avion de voltige. Donc il y a différents coloris, il suffit de refaire plusieurs fois le code pour en avoir d'autres. Alors on va s'envoler, on va sauter au-dessus du panneau Vinewood qui est juste derrière nous normalement. Ça peut être sympa, on va avoir une vue sur toute la ville en gros. Donc c'est parti. Voilà. Il est normalement, il est là. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc je trouve ça vraiment stylé qu'ils aient un peu refait Los Angeles quoi. Avec Vinewood au lieu d'Hollywood. Et je trouve ça vraiment bien. Vous allez voir la vue qu'on a, c'est splendide. Donc voilà. On va aller sauter en parachute. Donc je vais prendre de l'altitude. Que ça soit un peu plus long. Et on va sauter. Bon, allez, on peut y aller. Hein. Allez hop, on y va. Avec Trevor, on saute en parachute. Voilà. C'est vraiment beau. Donc voilà. On saute en parachute. Donc c'est, je trouve ça vraiment très bien. Bon, j'arriverai pas au bout. Du coup, je vous ferai le code pour la moto. Je sais qu'il y a pas beaucoup à faire, mais bon, je vais un coup finir. Comme ça, vous pourrez voir en même temps. Hop, parfait. Et je vois qu'il y a un hélico qui me cherche. Non, j'ai que les... Ah oui, il est là. Non, je pense pas qu'on pourra l'avoir. Le fusil à pompe ou fusil de précision, le sniper. Tiens, ouf. Ah, c'est un avion ça. Ouais, donc, ça c'est mort. Il est où alors cet hélico? Non, c'est toujours l'avion. Bon bah il s'est barré. Donc non, je vais pas faire le code de la moto parce que je suis vraiment à deux pas. Et je vais faire du coup le code. Attends. Voilà, j'ai réduit mon indice de recherche. Voilà, parce que j'ai pas envie trop de me faire arrêter. Ni de mourir. Donc voilà. On va faire direct le code. Pour la moto, et on va terminer avec le code pour l'hélico, et après peut-être qu'on aura le temps d'utiliser quelques armes vite fait. Donc on y va. Alors la moto, c'est une Sanchez, donc motocross comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment bien, moi j'aime bien en tout cas. Ça va passer ghetto.
Donc voilà, ma moto, donc désolé, il y avait mon frère, c'est pour ça que vous m'avez entendu parler. Qu'est-ce qu'on va mettre comme radio? Ah voilà, parfait. Alors, on va aller se poser, donc je sais pas trop, on va voir dès qu'il y a un coin, c'est tranquille. Est-ce que là c'est parfait? Hop, un petit saut. Voilà, reste du volant au calme. Bon, on va continuer encore. Wow. Voilà, donc j'ai conduit super bien, comme par hasard quand j'arrive je me prends un poteau dans la gueule du truc tout pourri quoi. Donc bref, on va se poser là, il y a personne je pense hein. Bon, j'aime bien cette musique, du coup je reste un petit peu. Je vous parlais un peu du jeu, donc moi, perso j'aime bien, j'adore même. Donc je suis avec Trevor, donc je vais vous expliquer un peu. Je dois être à 21% du jeu, 22, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un braquage là avec Franklin et Michael, donc braquage une bijouterie, et qui est le premier braquage du jeu d'ailleurs. Et donc du coup, je dois faire profil bas avec eux. Enfin, en gros, je peux pas les utiliser. Donc voilà, pour l'instant. Faut que je termine l'émission avec Trevor, je pense, ou j'avance un peu plus. Et donc voilà, donc on va tout de suite faire le code. Allez, c'est parti. J'espère que ça va marcher, parce que ça marche pas souvent, parce qu'il y a pas des bugs, mais des endroits où on peut pas faire spawn les hélicos. Donc là, ça marche en l'occurrence, donc c'est bien. Donc c'est un buzzard, donc un hélico avec des armes. Voilà, donc là il y a la mitraillette, vous voyez bien, je vais mettre en première personne pour ça. Voilà, il y a la mitraillette vraiment stylée. Ensuite il y a la roquette, donc avec guidage, avec verrouillage de cible. Bon là j'ai pas mis, enfin surtout qu'il n'y a pas de cible. C'est chelou, il y a des roquettes qui n'ont pas explosé. Ah, voilà. Donc il y a ça et la roquette sans guidage, donc ça c'est vraiment un petit tir au hasard. Donc voilà, désolé que j'aurai pas le temps de tester les armes avec vous, donc je vous quitte sur une mort. Tiens, c'est sympa. Et puis je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour sûrement un code de triche numéro 2. Voilà, finition en beauté. Allez, à plus.